Quelle est la date des élections présidentielles? Une question qui ne cesse de préoccuper le peuple tunisien. Des juristes et économistes se sont réunis dans le cadre d'un débat organisé par le collectif citoyen Soumoud pour avancer une initiative visant à permettre aux forces démocratiques et civiles de présenter un candidat unique aux prochaines élections présidentielles. On a élu un président pour 5 ans. Son mandat se termine en avril, d'après nos calculs, en avril 2024. Or, depuis cette date, 2019, l'actuel président ne veut pas entendre parler de la fixation d'une date, d'un délai, d'une périodicité, d'une durée, d'un nombre de mandats. Il n'en veut pas parce qu'il considère qu'il est au-dessus de tout ça. Le coordinateur Hossein Lhami a dans ce contexte indiqué que les débats avec des personnalités nationales, des partis politiques et des organisations ont commencé. Cette initiative sera annoncée avant la rentrée politique de l'automne 2023. Notre collectif citoyen Soumoud se propose de présenter un process qui permettrait à terme de choisir parmi tous les candidats éventuels pour les prochaines élections présidentielles de la famille démocrate un seul candidat qui serait le plus apte à occuper cette fonction en se basant sur des paramètres objectifs et scientifiques. Et bien sûr, pour ne pas refaire le scénario de 2019 où il y avait plus de 12 candidats de cette famille à se présenter. Face à l'éparpillement qui caractérise les forces de l'opposition en Tunisie, le collectif tente de reconstituer un bloc politique de centre-gauche capable de présenter un candidat unique aux prochaines présidentielles afin d'empêcher d'emblée la dispersion des voix enregistrées lors des présidentielles 2019, sachant que le président Saïd maintient le mystère à ce sujet.